toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que Macron restera dans l'histoire. Il symbolisera le déclin politique, économique et culturel d'une France perdue. Un pays déconstruit, devenu pauvre à cause d'une politique débile et inappropriée. C'est grave, évidemment, mais que voulez-vous faire puisque les gens ne semblent pas même s'en rendre compte. La confiance est désormais perdue entre le pouvoir et le peuple, cependant, c'est peut-être la seule bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles. Ce peuple qui commence à écarquiller ses yeux pour voir dans quelle mouise la France se retrouve avec Macron. Une France devenue invivable, dangereuse, sans valeur, qui ne pourra même pas faire face à ses échéances futures et dont Macron pourra être qualifié plus tard, même maintenant si vous voulez, de fossoyeur en chef. Alors la propagande fonctionne comment ? Ben, c'est simple, c'est une histoire de mots et de phrases. Une des plus célèbres phrases de cette propagande, pour moi, restera « responsable mais pas coupable », prononcée par la ministre de la Santé de l'époque, Georgina Dufoy, sous Mitterrand, une ministre socialiste, bien sûr. Sa déclaration était sur le TF1, le 4 novembre 1991, je vous la lis. « Je me sens profondément responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. » Parce que, vraiment, à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. Donc, c'est ce qui résumait sa formule devenue célèbre, responsable mais pas coupable. Notez bien que cette formule magique, puisque responsable mais pas coupable, c'est la même chose. T'es responsable, t'es coupable, t'es responsable. Mais c'est pas grave, les socialistes font toujours ça. Alors Macron, lui, on va pouvoir faire un dictionnaire sur ces petites phrases. La dernière en date, évidemment, c'est les métiers en tension. Ça, il fallait l'inventer. Un métier en tension, vous savez ce que c'est ? Non. Alors je vais vous le dire, selon la Macronie, hein. Je traduis. Alors, un métier en tension, c'est un métier qui a besoin d'immigrer pour pouvoir continuer à travailler normalement. Ce qui va permettre à Macron de régulariser sans heurte, sans violence, sans rien des migrants, qui, je vous le rappelle, sont quand même toujours considérés comme des clandestins qui n'ont pas lieu d'être dans un pays. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est pour ceux qui sont un peu puristes comme moi. Et en même temps, on va installer des migrants dans des petits villages français. Alors pourquoi des petits villages français ? C'est pas anodin, hein. C'est parce que ça va permettre déjà de créer un appel d'air dans les grandes villes où plus rien ne fonctionne. Donc on envoie les gens dans des petits villages en espérant que cela fonctionnera, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ce sont des gens qui n'ont pas nos mœurs, qui n'ont pas nos habitudes, qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas enfin, notre mode de vie. C'est rien d'autre, ce n'est pas du racisme que de dire cela. C'est une vérité, une simple vérité. Donc voilà, on va avoir tout ça. Et en même temps, Macron qui est parti à la COP27, je ne sais même plus le numéro, mais je crois que c'est ça, va balancer des milliards encore. Parce que lui, il est formidable. Un problème, hop, on ouvre la banque. La banque, c'est nous, hein. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'État, là, c'est pas eux. C'est pas une chose, anonyme, l'État. L'État, c'est vous. C'est tous les contribuables, en fait. Uniquement les contribuables. Parce que c'est eux qui financent tout ça. Donc, quand le gars, il vous dit « Je vais balancer quelques milliards », on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pour qui, mais il fait un effet d'annonce. De toute façon, le système Macron, il est très simple, hein. C'est une annonce, n'importe laquelle, il occupe le terrain médiatique en permanence, et derrière, plus rien. Donc ça, c'est un système très simple. Alors, on avait le Premier ministre, là, que tout le monde trouve formidable aujourd'hui, Édouard Philippe, qui avait eu l'idée de faire l'aide pour acheter les voitures. Mais personne ne s'est soucié, à part moi, visiblement, à l'époque, de savoir comment ça fonctionnait. Ben, ça fonctionnait très bien, c'est-à-dire que pour avoir l'aide pour acheter une nouvelle voiture, il aurait fallu que j'ai une voiture de plus de 20 ans. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des voitures de plus de 20 ans, à part dans la campagne, quand elles sont dans les champs, il n'y en a pas beaucoup. Que j'ai des ressources insignifiantes
Et finalement, je ne pouvais pas avoir le prêt pour avoir cette nouvelle voiture à des conditions extraordinaires. Et là où ils sont encore plus forts que forts, c'est que Édouard Philippe, l'année suivante, a dit, vu le succès, sans donner le nombre, hein, jamais vous avez le nombre, jamais vous l'aurez de vente, nous reconduisons cette formule qui a parfaitement fonctionné. Ils sont très forts. Ils sont très forts aussi parce qu'en face, vous avez des médias très complaisants, pour ne pas dire autre chose. Et ces médias très complaisants, jamais, jamais ne vont poser des questions qui fâchent à ces gens-là. Par contre, dès que c'est quelqu'un qui est supposé être de droite ou d'extrême droite, parce que ça, c'est pas bien, extrême droite, ça, c'est pas bien. Alors, vous avez l'exemple là, de ce député qui a fait une phrase qui n'était pas du tout raciste, mais personne ne l'a écouté. Pourquoi on va l'écouter? Il a parlé que s'il y a des bateaux qui venaient de clandestins, donc de migrants, etc., qu'ils retournent en Afrique. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit au député en face de lui, qui l'a reconnu d'ailleurs, de LFI, toi, tu dois retourner en Afrique. Il ne l'a pas dit. Mais ce n'est pas grave, on a monté le truc en mayonnaise, et la mayonnaise, ça monte bien, ça a pris. Résultat des courses, le gars, il a même été puni par l'Assemblée nationale. C'est vraiment que du procès à charge. C'est-à-dire, on n'écoute même plus la défense. On s'en fout de la défense, elle n'existe plus. Moi, je m'en fous aussi, puisque je ne prends pas de position politique en disant ça. Je dis simplement les faits. Et quand on vous dit les faits, les gens vous disent, ah oui, mais je ne l'ai pas entendu à la télé. Alors ça, c'est la phrase la plus que moi j'ai le plus entendue actuellement. Donc si ce n'est pas entendu à la télé, c'est clair et net, ça n'existe pas. Voilà, paf, boum, bing, hop, on ferme tout et on remballe. Et c'est pourquoi la gauche est plus forte que la droite, parce que la gauche a des convictions politiques, idéologiques, elle sait bien manier la dialectique, hein, ce n'est pas le cas de la droite, et en face, elle a quoi? Elle a un parti notable. Ce sont des gens qui ne visent que leurs petits honneurs, leurs petites, les prébendes, leur situation, quoi, hein, c'est tout. Ils ne sont pas intéressés par la population. La population, c'est pas intéressant. On est entre soi, quand même. Il ne faut pas déconner, là. Oh. Donc, la gauche a très bien compris ce système. Du coup, la droite, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'oppose pas. Ah oui, c'est trop dangereux de s'opposer. D'abord, il faudrait avoir une certaine culture qu'elle n'a pas. Et deuxièmement, il faudrait prendre des risques pour sa situation de notable. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ce qui explique, d'ailleurs, que quand vous écrivez à des gens de la droite, hein, j'ai écrit à tout le monde pour voir, hein, c'était amusant, alors vous avez deux types de réponses, très, très simples. La lettre toute faite, alors il y en a un qui est très fort pour ça, mais je ne dirai pas son nom ici, mais il est très fort, c'est toutes les lettres que vous m'envoyez seront lues et sont très importantes, etc., etc. J'ai même embauché des gens pour m'aider, tellement j'en reçois. Ça, c'est très fort. Les réponses. Zéro. Et vous avez ceux qui ne répondent pas. Eux, c'est plus simple, comme ça, ils ne répondent pas, ils sont tranquilles. Alors, vous avez une députée, par exemple, LR, qui vous dit, je lis tous les mails que je reçois, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que j'en reçois trop. Et ben, moi, j'en reçois beaucoup, les mails, et ben, je vais vous dire, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, c'est possible, c'est faisable, c'est une question de respect. Et eux ne nous respectent pas. C'est là où je voulais en venir. Ils ne nous respectent pas, ils s'en foutent complètement de nous. D'accord? Et c'est là, c'est pour ça que tout va mal en France. Parce qu'on a d'un côté une propagande journalière, permanente, hein, avec la grosse artillerie, et de l'autre côté, on a les notables, qui eux sont là pour leur petit confort personnel. Donc les notables, eux, ils s'en foutent de tout ce qu'on peut dire, et voilà, et c'est tout. Et c'est comme ça que ça marche, ou que ça fonctionne. Et c'est pourquoi tout va mal, parce que finalement, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition, regardez bien. Hein. Même ceux qu'on appelle de l'extrême droite, ils vont finir dans le social. Ils vont finir par être peut-être plus socialistes que les socialistes à ce moment-là. On nous dit d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, que vous avez des députés LR aujourd'hui qui sont compatibles avec Macron et qui envisageraient de quitter leur mouvement pour rejoindre Macron. C'est vous dire qu'il n'y a pas de frontière entre la gauche dite socialiste et la gauche dite centriste ou soi-disant de droite. Hein, ce sont des appellations incontrôlables et incontrôlées. Donc, on est dans un système clairement de propagande, hein, façon, allez, faut le dire,
les années soviétiques, hein, les grandes années de l'URSS, où c'était que ça, la RDA, tu as un bon exemple, les pays aussi, certains pays comme la Corée du Nord, toutes ces grandes démocraties, quoi. Et dans ces systèmes-là, hein, la propagande, c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire, on s'en fout, on dit n'importe quoi, on s'en fout, mais ça, boum, boum, il faut que ça marche. Et ça marche. Et vous avez des exemples, je pourrais faire une encyclopédie là-dessus avec Macron, par exemple, qui sont extraordinaires et qui prouvent leur mauvaise foi, en plus. Parce que c'est là où c'est fort. On peut trouver leur mauvaise foi dans plein de choses. Hein, quand le gars, il vous dit, nous sommes en guerre, etc. Mais qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un système pendant le Covid extraordinairement nuisant ou nuisible contre un pays entier, parce que les confinements, les couvre-feux, les autorisations de sortie et tout ça, le port du masque, hein, parlons-en du port du masque, hein, je vois encore des gens avec des masques dans la rue, c'est assez drôle, eh bien, tous ces gens-là, tout ce système-là, de Macron, là, ça a créé une vraie psychose, surtout au niveau de nos enfants. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de cas d'enfants dépressifs entre les petits jusqu'aux plus grands. C'est dramatique ce qui se passe. Hein. Ça, on l'a mis sous l'étai noir parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Oulala, vous vous rendez compte si on savait tout ça. Mais c'est dramatique ce qui est arrivé. Ils ont très mal vécu ce confinement, ce port du masque, toutes ces contraintes. Hein. Et on s'aperçoit aujourd'hui, je ne veux rien dire, mais quand je l'ai écrit, on m'a attaqué. Et je l'ai dit, le port du masque, c'est une connerie par rapport à ce virus. C'est très bien le port du masque contre certaines maladies courantes. Et effectivement, elles ont chuté complètement pendant le port du masque, comme les gastro, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que le port du masque, on l'a plus. On ne parle plus du Covid, et pourtant, il y a toujours du Covid. Tiens, il y a même un grand rugbyman là, qui est mort la semaine dernière. Benoît Dauga du Covid. C'est vous dire qu'il y a toujours le Covid. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on sait qu'il y a du Covid, mais on n'en parle plus, ça n'existe plus. Donc, on aurait pu le faire dès le départ, et puis on aurait été tous tranquilles, on n'aurait pas eu cette psychose. Psychose qu'on nous recrée aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Parce que Macron, il est en guerre, donc nous, on va être en guerre aussi. Et ça, c'est une guerre, je vous le dis sincèrement, qui ne nous concerne pas directement. Hein. Parce que pourquoi on serait plus pour l'Ukraine que pour la Russie, d'ailleurs? On ne sait pas trop pourquoi. Il y a vraiment des nazis en Ukraine. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des reportages télé où on ne vous le dit pas, mais regardez bien les gens, ils ont des tatouages. Et ça, ce n'est pas les tatouages de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais m'énerver. Et je vous le dis encore une fois, on est mal. On est même très mal. Je ne sais même pas où on en est, tellement on est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Merci à tous et peut-être à la prochaine. Au revoir.